Kodan, c'est un tout petit village perdu dans les collines, il y a 1900 habitants. Nous, à la bibliothèque, on est au cœur du village, entre la place et l'école qui est juste à côté. Ça facilite les relations, la circulation. On a aussi des envies de modernité. On a acheté du matériel numérique et on a envie de l'investir, de le mettre au cœur de nos pratiques pour enrichir ce qu'on fait. Donc l'année dernière, en décembre, j'ai assisté à la restitution de Transfert 1. Moi, j'étais très très loin de tout ce qui est numérique, sans compétences. Et là, tous ces retours, ça a été très très enthousiasmant. Je suis rentrée, j'ai dit à Christelle, ma collègue, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose de chouette. J'ai entendu parler du projet de tricot connecté de la bibliothèque de Venelle. Et ça a fait naître assez spontanément l'idée de travailler avec l'association ASF, Amis sans frontières, puisqu'on connaît très bien l'une des responsables, Patricia, qui est aussi bénévole à la bibliothèque. Le groupe de BL Kodan dépend de l'association ASF Marseille, qui dépend d'une association qui est nationale. C'est Amis sans frontières. Nous tricotons pour des bébés et des familles en grande précarité. Et nous formons dans un groupe d'une douzaine de personnes super. Donc on a lié ça au projet périscolaire qui était en cours sur l'initiation à la lecture à voix haute des enfants qui lisent des albums en public. C'était très important en fait d'avoir quelque chose de large, donc pluridisciplinaire et multigénérationnel, puisque ça touchait des enfants du CP au CM2. Les tricoteuses qu'on appelle gentiment des mamies. On a eu beaucoup de joie de partager notre savoir avec les enfants. Les enfants, après, nous reconnaissaient dans le village et c'était très sympathique. Avec l'objectif, on avait cette deadline de la journée transfert, donc du cycle transfert 2 qu'on allait accueillir nous en avril à la bibliothèque. Quand la BDP et la Fabulerie sont venues ici à Belcoden pour faire cette journée transfert, on a eu une journée sur mesure qui correspondait exactement aux besoins qu'on avait pour nous finaliser notre boîte. Concrètement, c'était comment est-ce qu'on allait connecter tout ça. Alors, on a réalisé la boîte à l'histoire. Vous allez nous expliquer un peu comment on a fait. Au début, on a travaillé les livres qu'on a lus. Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout? Un papy et une mamie ont un jardin si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une seule graine de radis. Une chèvre avait 7 petits chevaux. Tous les jours, elle va les lisser. Vous avez lu l'histoire, vous avez... On a parlé dans un micro pour l'enregistrer. On a fabriqué la boîte avec le tissu qui est autour. Et après, avec la attache-pointe, on a accroché des fils qui relient à des attaches parisiennes pour après qu'on écoute l'histoire. Quel cafouillage ! Un conte qui s'en mêle les chapeaux de Jeanne Rodari, lu par Anaïs Bert. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperonge. Alors c'est difficile à quantifier. On a acheté un kit touchboard, c'était plus simple pour nous. Donc ça, voilà, c'est 180 euros. Sur tout ce qui est laine, crochet, aiguille, c'est ASF qui a fourni. Sur notre investissement professionnel, là je crois qu'on ne peut pas chiffrer, que ce soit en recherche, en test, en fabrication de la boîte, on n'a même pas essayé. On avait une grosse deadline, c'était la fête du périscolaire. Donc il fallait que la boîte soit prête, on l'a fini 3 jours avant. Et ensuite nous, dans une petite pièce, on a aménagé un salon de lecture, on a installé notre boîte. Et du coup, tous les parents, et y compris des enfants qui n'avaient pas participé au projet, il y a vraiment beaucoup de monde qui est venu. Là, la boîte a été vraiment vue, touchée, entendue. Vraiment, il y
y a eu une espèce de, d'émerveillement. Ah bon, mais du Trichobama, c'est ça. Alors on a été très soutenus. Rien ne se serait fait sans l'initiative de la BDP, l'accompagnement de la fabulerie. Après, sur notre projet à nous, c'est vrai qu'on a bénéficié de beaucoup de bonne volonté, de beaucoup de générosité de la part des tricoteuses, de la part de leur entourage. Il y a un papa qui nous a prêté sa petite baffle autonome. Ça a vraiment mobilisé beaucoup de bonne volonté et beaucoup de générosité. Et ça, c'est assez merveilleux. Il était une fois une toute petite tortue de terre. Titotu avait une toute petite carapace lisse, très très lisse.